Hey, tu veux savoir comment jouer en thème avant la sortie officielle? Bah écoute la suite et partage ça à tes potes. Puis pose un pouce bleu ou un abo, ça fait plaisir à fond et ça m'aidera. Je laisse tous les liens dans la description sous la vidéo, hop! Comme tu le sais sans doute, on va devoir attendre jusqu'au 22 février, date de sortie du jeu sur PS4, Xbox et PC, pour monter à bord de nos javelins. Mais sache qu'il est possible de jouer avant cette date, et c'est même légal. Pour commencer, tu vas pouvoir combattre les agents du Dominion lors du week-end de démo publique, qui a lieu du 1er février à 18h jusqu'à 3h du matin la nuit de dimanche 3 au lundi 4 février. Le contenu de cette démo est identique à celui du week-end VIP, sauf pour les joueurs qui y ont participé, puisque ceux-ci auront accès aux 4 javelins qui représentent les 4 classes du jeu, tandis que celles et ceux pour qui il s'agit du premier contact avec Anthem ne pourront débloquer qu'une seule armure supplémentaire en plus de celle du commando avec laquelle on débute. Mais ceci nous laisse encore 18 jours d'une interminable attente. Putain, ça va être long. Heureusement, les plus motivés pourront commencer à jouer le 15 février, c'est-à-dire une semaine avant la sortie officielle. Yes! D'abord, 10 heures de jeu seront disponibles pour les propriétaires d'un EA Access sur Xbox One, ainsi qu'aux détenteurs d'un Origin Access Basic sur PC. Ensuite, un accès complet et illimité sera disponible à celles et ceux qui bénéficient d'un Origin Access premier sur PC. On regrettera que les joueurs PS4 ne disposent pas eux aussi d'un moyen d'accéder au jeu en avance. Mais on prendra soin des javelins en les attendant, hein? Bon, envoyez un message d'amour aux joueurs PS4 dans les commentaires, ils en ont bien besoin. Et pense au pouce bleu, au partage et à l'abo. Allez, tchuss!